Et bonjour tout le monde, c'est Samien 3D1, surtout pour une nouvelle vidéo avec quelqu'un qui veut faire une vidéo avec nous et aussi avec mon petit frère Nazim 3D1. Salut Nazim. On avait parlé de la Bonjour. maison et tout. Nazim, viens. Allez, viens. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo. Et c'est parti. Là, comme vous voyez, on a oublié l'échelle. Et on a réparé la maison en haut. Et c'est ça. J'ai juste envoyé un message parce qu'il n'est pas avec nous. Il ne va pas m'entendre, c'est sûr. Il est pas avec nous. Mais là, je vais lui dire. Là, il va passer un peu une vidéo, je sais pas, mais il aime ça. Non, arrête de casser là, c'est terminé. Arrête, arrête, Oh, arrête. j'ai pas vu d'extrait. S'il te plaît, s'il Ok, te attends, plaît. je vais la réparer. Non, c'est moi qui vais la réparer, mais on va. Je sais. Juste, tu vas envoyer mes chaînes. Un message. Bon. Mon petit frère, qu'est-ce qu'il fait? Non, il a que sa fenêtre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est où? Non, mais il est où? Attends, je vais voir mon ami. Peut-être qu'il l'a vu. Oh non, il crie! Il est où? Oh, regardez, regardez, je vois une petite partie de lui. Attends, je vais voir. Waouh! T'as construit ça? Oh, je pense que c'est un voleur. Non, je suis coincé! Ah oh, non! Allez, allez. Voilà, heureusement, ok. T'es où? Je suis sous la terre. C'est qui t'a fait ça? C'est un voleur? Je sais pas, je suis tombée de la fenêtre. Je t'avais dit de pas casser. Quelqu'un m'a poussée. T'es où? Je suis sous la terre. À l'aide. Si seulement je pouvais voler. Mais t'es où? Je sais pas. Ben, je suis sous quelque chose. Je Je sais pas suis sous t'es où un moi. truc brun pour fabriquer un waiter. Le sable des âmes. Oui, c'est ça le sable des âmes. Comment t'es sauté très loin? Oh. Ah, Aïe, aïe. je t'ai vu, c'est Médissa Mais Médissa. t'es où? Je vais casser, attends. Il y a un fil qui a mis un piège. Qui a mis un piège? Attention. Qui a mis le piège? Je sais pas. Aïe, oui, Essaye de remonter. c'était un TNT, mais moi il m'a poussé vers la droite. Quelqu'un a mis un TNT? Il m'a poussé vers la gauche, moi. En plus, ça a creusé encore plus. Essaye de remonter. J'ai mal. Oh. Aïe, ça J'ai très fait. mal. Moi, j'ai tombé de J'ai très 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 mal. mal. Ça fait mal. Mais allez! Ok, je vais utiliser le bloc propulseur comme dans la dernière vidéo. Non, moi, je vais l'utiliser. Bon, voilà, un message m'a dit t'as quel âge, mais je vais pas lui dire. Voilà le bloc propulseur, le voilà. C'est écrit quoi? Coffre de l'Ender. Mais n'importe quoi, c'est le bloc propulseur là, il m'a propulsé. 3, 2, 1, let's go. Waouh! Il est trop cool! Attends, je te donne un bloc propulseur. Mais où es-tu? Moi, je t'ai pas vu. Mais je sais pas où es-tu? Et là, je vois mon ami. Bloc propulseur, let's go! Ah, ça va! T'es là! Attends, je pense que je t'ai vu.
Bon, je pense. Est-ce que tu l'as vu? Ah, oh, je pense qu'il m'écoute pas. Non, mais c'était pas prévu là. On voulait, visiter pour notre ami là, mais il est plus là. Ok, viens. Samy, arrête. Viens, viens. Viens. Parce que moi, je sais même pas où je suis. Est-ce que t'es là? Ah, t'es là, oui, viens, viens. Vas-y. Ouais, bravo. Je te félicite, bravo. Bravo, bravo. Qui? Bravo, je te félicite. Ah, bravo. Attention. Aïe. 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 Ah bon. Aide. Moi, je pense que c'est terminé. Allez, Zim. Allez, je vais t'aider. Allez, viens. Viens. Je peux pas. Aïe, c'est trop profond. Aïe, aïe, aïe. Oh, je vais réparer ça. Aïe, encore. Aïe. Oh, bravo. Je vais réparer ça. T'es sorti. Il t'a aidé, mon ami. Hein. Allez, viens. On va faire la fête là, là en bas. Hein. Il y a un sous-sol en bas. Qui a fait ça? C'est le voleur, je pense. Non, c'est un nouveau constructeur qui est venu. Tu te souviens pas à la... Ah ouais. Mais moi, je vais aller faire... Mais il a fait quand même... Je vais mettre un bandage. Bon, là, il veut vraiment que je lui dise son âge. Mon âge, mais là, je sais pas pourquoi. Tu vas appeler l'ambulance. Oui. Il me sent mal. Tiens, attends, Samy, je vais te donner mon téléphone. Attends, Samy, hein. T'es où? Je vais te donner mon téléphone. T'es où? Rentre à la maison, rentre à la maison. Je suis à la maison. Tiens, je te donne mon téléphone, Samy. Vas-y, donne. Je te donne mon téléphone. Attends, où es-tu? Regarde, je vais prendre mon j'ai mon téléphone, j'ai mon téléphone. Attends, tiens, Samy, tiens ton téléphone. Samy, tiens, un téléphone, W. Je vais me coucher. Ah, je me sens mal. Bon. Elle est bonne, la vidéo. Moi, je vais me coucher en haut. Samy, je peux pas monter. Je me sens ok, mal. Je vais l'appeler. Tut, tut, tut. Tut, tut, tut. Allô. Appelez une ambulance. Mon petit frère a tombé dans la lave. Il a un os cassé. Aidez-le, s'il vous plaît. Merci. Je suis coincé. Wow. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Samy? Allô? Samy? Oui, je suis. Ding dong. Ouvrez la porte s'il vous plaît. Je suis je suis l'hôpital. Je suis celui qui va vous soigner. Ding dong. Ouvre la porte. Je suis là. Attends. Oh, je pense que vous êtes blessé. Oui, c'est ça. Oh, c'est pas grave. Aïe, aïe. Ok. Asseyez-vous confortablement ici. Je marche très lentement. Donc, expliquez-moi comment ça s'est passé, monsieur. Donc, j'étais dehors. Je jouais, après ça, mon extra, je suis tombé par la fenêtre. Est-ce que c'était celui qui était là, dehors, dans mon village, avant? Ah oh, oui, oui, c'est ça. C'est lui? Oui. Ok, je pense que je vais appeler la police, restez ici. Mais je suis fatiguée. Après ça, il y avait un cambrioleur, il m'a bloqué avec des blocs. Bon, je vais le chercher. Il était là. Je sais pas, c'est mon ami qui l'a... Parce qu'il est rentré dans sa cachette. Bon, c'est de sous le... Non, mais il est où? Ah, Samy, je pense que je sais, il est là. Où est-ce qu'il est, monsieur? Il est là, je pense, j'ai vu un nom. Samy, tu es là, c'est Samy, tu es là.
Non, j'ai pas vu. Bon, c'est pas grave, je vais vous soigner, moi. Je suis pas un policier, j'ai, mais... J'ai un bandage. Ok, je vais voir la fracture. J'ai un bandage clinique. Enlevez le bandage, monsieur. Merci. Je veux juste voir la fracture. Asseyez-vous, monsieur. Attendez, monsieur. Oui. Asseyez-vous. Je peux pas courir. En plus, je marche très lentement. Regardez. C'est pas grave, vas-y. Oui. Donc, allez aux toilettes. Bah, comment c'est passé? Il vous a poussé dans la lave. Ouais, c'est ça. Il y avait quelqu'un qui m'a poussé dans la lave. En fait, c'était le cambrioleur. Ça, j'étais coincée là-dedans. C'était un cambrioleur. Oui. Bon, je vous demande d'aller aux toilettes, monsieur. Ce sera peut-être bon. Fermez les portes. Ouais, je sais. Allez. Je lave mes mains, voilà. C'est vrai? En ce moment, je lave mes mains. Sachez comment je lave mes mains. J'arrive, je vous donne les médicaments que j'ai oublié. J'ai oublié ma trousse en haut. Je suis désolée. Monsieur, votre médicament. Vous voyez, 3 fois par jour. Je vous dis, votre trousse va devenir comme avant. Et je vous dis bye. Bye, monsieur. Bye. Vous m'avez pas mis le bandage. Ah oui, le bandage, j'ai oublié. Tenez le bandage, monsieur. Merci. Ah voilà, je vous l'avais mis. Au revoir. Au revoir. Monsieur, attendez une minute. Oui. Les cambrioleurs avaient aussi tout cassé la maison. Ah non, 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 non. Je vous crois pas ça, là. Attends, j'habite juste à côté et j'avais vu que... Hier, c'était vous qui avez cassé la maison. Non, mais il y avait des réparations. Ah. Vous avez réparé, après le cambrioleur il a cassé. Bon, je vais mettre un bloc pour vous aider. Attends. Et je vous dis au revoir. Bye bye, monsieur. Attendez, ouais. je vais signer. Ok. Attends. Signé. Attendez, c'est pas ça. Attendez. C'est pas grave, monsieur, je vous attends. Merci, monsieur. Bye. Ah, moi, je vais appeler 5-2-3-2-1 dans mon téléphone. Allô, bonjour, Nazim, ça va? Oui, oui. Qu'est-ce que t'as fait le... Il m'a donné un médicament. Il m'a dit de le boire 3 fois par jour. Ok, ben moi je vais t'acheter de la nourriture juste pour que tu te sens mieux. Et les amis, on se revoit tout de suite. Bon les amis, on reprend, on est dans le magasin que vous avez vu dans la dernière vidéo. Il y avait le coffre ici qui était un peu buggé, qui voulait pas se fermer. Là on a réparé ça, je lui ai acheté 3 poulets comme il a dit à la dernière vidéo. Oh j'ai cassé. C'est quoi ça? Je lui ai acheté 5 poulets. 45 et 40. Non, 3 poulets, il m'a dit. 3 fois 9 égale 27, donc 27 émeraudes, on va prendre tout de suite.
dans mon portefeuille. C'est bon, j'ai la pancarte, ça sert à rien. Tiens, il va me mettre tout l'argent, il va me donner hyper beaucoup de... Le vendeur, là, il est très gentil, mais là, je pense qu'il est malade, un peu triché. Je vais prendre la bouffe. Tiens, mais on prend beaucoup, là. J'espère qu'il n'y a pas d'alarme, ici. Ok, il va sortir, doucement. Ok, il n'y a pas d'alarme, c'est bon. Et là, on repart à la maison. On se voit tout de suite. Et ben les amis, on reprend dans la côté de la maison. Et Nazim, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Aïe, je pensais que c'était les poissons, j'ai perdu les poissons. Oh non. J'avais trouvé un coffre. Aïe. Oh non, qu'est-ce que t'as fait? Allez, remonte. Je vais t'aider, allez. Allez, viens, viens. Qui? Ah non, le voleur est encore venu. Qu'est-ce qu'on fait? Attends, mais je te donne les poulets quand même, juste pour être cool. Allez, vas-y, tiens les poulets. Vas-y, mange. Merci. Mais attends, mais essaie de casser ce truc. Ah, mais j'ai trop mal. Oh non. Aïe. Ok, là, comment on va faire? Ok, saute, vas-y, saute. Bon, professeur, vas-y. 1, 2, 3, zou! Ouais, cool! Allez! Encore un autre drone! Je sens vraiment pas bien! Et je vais perdre. Il m'a pris mon médicament! Sérieux? C'était oui. Quoi? Comment il s'appelle le médicament? Il s'appelait. Et quoi, vous devinez? Est-ce qu'il s'appelait? Régénérateur. Il s'appelait médicament, hein? Ouais. Médicament s'appelait médicament! Je régénère. Il est encore venu, il a tout cassé? Oui! Oh là! Il va payer là! Oh non, j'appelle la police, j'ai mon téléphone. Vas-y, appelle la police. Assieds-toi. Moi, j'essaie de le repérer. Allô? Oui, il y a un voleur. Le voleur, je pensais pas que c'était mon ami. Là. Il m'a pris le... Il a pris le médicament, il m'a donné le poison, puis il a tout cassé la maison. Ok, on arrive tout de suite. Bonjour, je suis la police. Bonjour. J'ai entendu que y a quelqu'un qui a compris au livre. Il a échangé le médicament, il vous a donné un poison. Oui, c'est ça. Là, je vous sentez vraiment pas bien. Là, le poison est genre un petit peu parti. Mais tenez, le poison, vous pouvez voir les traces, monsieur. Vous pouvez voir les traces des personnes. Oh, je pense que je les vois. Bon, on va chercher. Moi, je marche très lentement. Mais bon, vous pouvez marcher très rapide. Bon, je pense que j'ai repéré. Il est où? Oh, j'ai mal à la jambe. Je vois la trace du poison là. Je pense que. C'est ça? Ah oui, on va bientôt la voir. La voir. Je pense qu'il a un dossier contre dossier criminel, là, il s'appelle Xedam. Xedim, je veux dire. Ouais, c'est ça. Xedim. Ouais, je sais. Aïe. Je le connais, Xedim. Il m'a mis dans le feu. Aïe. Il m'a mis dans le feu. Ah, Xedim, il n'est pas là. Je n'ai pas trouvé. Attends, je pense que c'est lui. J'ai appelé mon coéquipier et il n'a pas trouvé. Il est quand même cherché quelque part, peut-être qu'il est là. Sinon, je pense qu'il s'est. Il a disparu, il est parti avec son autre ami qui s'appelle. J'ai oublié comment, mais il s'appelle. Là, j'ai pas de médicament, il faut que je le bois trois fois. Dans le dossier criminel, il y a H. Bring. Il y a. Creepy Gabi 88. Il y a Id. Il y a Xedim. Et il y a aussi son coéquipier que j'ai pas noté, j'ai oublié. Tu connais Creepy Gabi? Ouais. Là, je suis coincé. Ah, il y a notre chemin. Où est-ce que vous êtes, monsieur? Je suis ici. Monsieur, je vais réparer votre maison et après vous allez me donner de l'argent, ok? Mais là, je suis coincé. Il m'a encore coincé. Non, mais je vous avais dit que.
Il est... Non, mais je il est parti. Non, mais... Il s'est caché encore là. Vraiment. Là, je trouve pas dans mon dossier criminel. J'ai appelé mon coéquipier, il est... Je trouve pas. Je pense qu'il s'est caché ici. Oh, je connais ses blocs. Ses blocs, c'est vraiment pour lui. C'est lui qui les met. C'est juste lui qui les met. Moi, je connais juste lui qui les met. Ah. Wow. Hey, je suis riche. Il y a plein d'argent. Où est-ce que vous êtes? Ah. Où est-ce que vous êtes? Monsieur. Je suis de... Je sais pas. Je suis tombé. Moi, je vais réparer votre maison. Je suis tombé à cause du poison, là. Je suis dévasté, étourdi après que je suis tombé. Et là, j'ai trouvé un endroit où il y a beaucoup d'argent. Ah, un coffre-fort qui lui appartient. Mais je sais pas où vous êtes, monsieur. Je vais vous chercher. Bon, je sais pas où vous êtes, monsieur. Mais je suis coincé. Je dois vous chercher, hein. Je suis coincé. Bon. Je vais vous chercher, monsieur. Ok. Dites-moi un indice, monsieur. Je pourrais vous peut-être vous trouver. Je suis il y a un escalier en bas. Et après ça, en fait, rentrez dans le magasin. Dans le magasin. Ça, vous allez voir un trou. Après ça, il y aurait un trou. Il y a jusqu'au dedans. Est-ce qu'il y aura genre un vous avez un frère ou quelqu'un qui oui, s'occupe? Un frère, il s'appelle Samia de 321. Est-ce qu'il vous a dit de pas bouger? Bon, je pense que là j'ai trouvé un trou. Ah, en fait. Ah non, non. Attends, non, moi je trouve pas. Je trouve rien. Peut-être ici. Bon. Je pense que... C'est là où vous êtes enfermé. Ok, monsieur. Vous êtes... Aïe! Je prends de l'argent pour vous donner. Monsieur, je connais cette maître de 1. Il m'a déjà montré. C'est lui qui a mis de l'argent là-dedans. Ne vous inquiétez pas. Bon, le voleur, je pense qu'il n'est pas là. Ça me ressemble trop. Ah? Oh, vraiment? Oui. Oh. Oh, ben, c'est un beau compliment. Oh, vous pouvez fermer les coffres, monsieur. Mais je vais prendre... Non, 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 non. 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 Mais je dois payer, monsieur. Hein? Monsieur, payez. Ok, ça coûte combien tout ça? $25. 25, c'est tout? Pour que je vous répare la maison. 20, mais 25, 25 quoi? Lingots d'or. Émeraude. Lingots d'émeraude. 25. Moi, je vous attends en haut. Prenez le bloc propulseur. Monsieur, j'en ai juste 22. Tiens, je vous donne un dans le cœur. Merci, c'est bon. Utilisez le bloc propulseur pour... Ok, attends. Mais il est où le bloc propulseur? Non, j'en ai pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, il a disparu 15, le bloc propulseur. 15, 22, 23, 24, 25. Mais le bloc propulseur, il est pas là. Oh, mais on est passé. Ah, le voilà, le bloc propulseur, voilà. Je l'ai. Je l'ai dans mon... Attends, il nous a coincé. Dans ma boîte. Non, non, je ne vous inquiète pas. Ah non, il y a encore mis ce bloc. Attends, je vais prendre une pioche. Ok, je pense qu'il est pas loin. Prends le propulseur, viens. Waouh. Attends. Bon, monsieur, je vais réparer votre maison. Attends, je vais prendre une pioche. Ah, mais là, j'en ai... Où est le bloc propulseur? Ah oui. Bon, vous pouvez rester sur votre canapé, vous pouvez réparer la maison.
Et si vous avez encore besoin de moi, je suis là. Et là, comment je fais pour monter, moi? Aïe! Ah oui, essayez de monter. Il faut escalader. Ah non! Je vais tomber à l'aide! Allez! Je suis tombée. Oh, je suis tombée. Ah, allez, comment puis-je là pour monter? Alors, je me trouve là. Moi. Montez par le bloc professeur, je vous dis, monsieur. Mais je ne peux pas, monsieur. Regarde. Venez d'abord. Non, vous avez qu'à tenir le bloc professeur, appuyez sur le bouton pour démarrer. Et c'est tout. Là, j'ai utilisé le bloc professeur, mais ici, là, je ne peux pas monter. Je ne comprends pas. Je viens. Venez, vous avez qu'à venir et vous comprendrez. Venez, monsieur. Je cherche la porte d'entrée. Ici, c'est ici. Monsieur. Je vous vois, c'est ici. Regardez ça. Ça marche pas. J'ai pas réussi. Aïe! Ce n'est pas grave, monsieur. Venez ici. Aïe. Attention. Vas-y. Aïe, c'est ça bug. Oh, voilà. Regardez ici, ça va direct vous téléporter, hein. Venez, venez. Bon, je vais appeler Samuel 3-2-1. Ok. Allô? Samuel 3-2-1. Allô, comment ça va, petit policier? Ouais, ça va, il l'a pas encore retrouvé, mais il m'a aidé un petit peu, il a genre un petit peu réparé la maison. Voilà, il est... Bon, dis-lui au revoir. Dis-lui au revoir et moi j'arrive à la maison, voir si tu vas bien. Attends, d'abord... Et aussi, va m'acheter le médicament parce que là, je sais même plus où il est, parce que le voleur l'a pris. D'accord, dis au revoir au policier et j'arrive. Ok. Ben, il est parti déjà. Il est parti, bon, ok. Attends, au moins, je lui ai donné l'argent. C'est pas grave. Ah, la porte est déjà ouverte. J'arrive. Oh, il est vraiment bien construit. Oh, il a oublié ici, mais c'est pas grave. Là, il est vraiment bien construit, mais il a oublié les carpettes. Hein. Pourquoi t'es arrivé avant moi? Qu'est-ce que tu faisais dehors? Non, j'arrivais du poste de police. Bon, j'ai ramené l'argent, juste... c'est toi qui as fort ton nom. Regarde la télé. Va m'acheter les médicaments. Va dormir en haut. Et moi, je vais t'acheter les médicaments. Oui, il m'a donné... J'ai de l'argent, t'inquiète pas. Il m'a donné des médicaments, ça s'appelle crème de magma. Crème de magma? Oui. Ok, ça c'est comme des pastilles, je vais aussi te donner le médicament. Ouais. Ça s'appelle médicament, bien sûr. Hein. Bon, les amis, on va lui acheter le médicament qui s'appelle médicament. C'est bizarre, je sais. Mais c'est ça. Hein. Alors, on se revoit tout de suite pour le médicament. Wow. Bon, les amis, je suis arrivée à la maison avec le médicament dans mes mains. Ding dong! Ding dong! Nazim, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu marches comme ça? Pourquoi t'es malade? Pourquoi tu es en train de vomir? Ah, oh, bon, c'est pas grave. Bah, mange ta pastille crème de magma et tiens le médicament que je t'ai acheté. Mais arrête de casser, t'es maladroit, hein. Bon, mais arrête, parce que là j'entendais des cris dehors. Bon, bois ton médicament. Hein? Ouais, c'est à sucer, mais bois ton médicament. Ah, je vais te donner une bouteille d'eau, vas-y. Tiens, une bouteille d'eau. Va chercher, elle est là. Ok, viens, on va dormir, ok?
Viens dormir, viens. T'es tellement fatigué. Bon, on va venir à ton secours. Attends, hein. Je vais juste mettre mon argent dans le coffre. T'es là? Bon. Je vais te donner un livre. Ah non, il y avait un trou. Oh, je suis tombée dans les toilettes. Non. Allez. Appuie sur le bouton du propulseur, un truc propulseur. Ça fait mal. Bon, mais... Vas-y, on va lire une petite histoire. Attends, je vais t'attraper. Viens, vas-y. Tiens-moi. Vas-y, tiens-moi. Bravo. Viens, on va reste ici. Je te dis une histoire, ok? Vas-y, lis-la toi, ok? Lis-la toi. Ok, bah alors, va dans l'autre. L'autre, il est plus à l'aise. Oui. Je sais pas, elle est tombée. Vas-y, prends-la. Lila. Bravo Nazim. Alors viens, tu te sens mieux maintenant? Attends, je vais te donner ton histoire. Tu te sens mieux? Attends, j'ai pas encore bu mon médicament. Vas-y, bois-le. Tu te sens mieux? Vas-y. Tu te sens mieux maintenant? Oui, je me sens mieux. Mais attends, je bois mon médicament d'abord. Attends, à boire. Voilà. Oh, maintenant, je me sens très bien. Là, je peux sauter. Je suis fort possible. Tu te sens bien? Oui. Tombe pas, parce que sinon, ça va tout recommencer, ok? Ou sinon, attends. Attends, avant de sauter. Sautez-moi d'abord. Et vas-y, saute sur moi. Pour voir, c'était bon. Wow, t'es trop loin! Wow! Attends! Mais pourquoi t'as utilisé le propulseur? T'es où? On est au village à côté. T'es mieux? Tu te sens bien? Bon, je pense que les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, lâchez un like. C'est pas, je vous demande pas de vous abonner, mais si vous voulez, ok. Ça me dérange pas. Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de faire une vidéo. Prochaine vidéo, on va parler de devenir un tripeur. J'espère que vous êtes là.
Et je vous dis au revoir. On a encore bu le poison, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, je vous dis bye. À la prochaine fois. Ciao tout le monde.